Hein? La voie est libre? J'attendais ce moment! Il n'y a vraiment rien de mieux! Ouais... Rien de tel que la première bouchée! Oh oui! Et tu ressens ça? Wow! Qu'est-ce qui se passe? Au secours, ça arrive! Allez, petites jambes! Ah! Oh, j'ai peur! Ça arrive! Oh! Ah, on l'a échappé, Belle! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bizarre, je sais pas! Oh non! Oh! Oh, ça alors? Et maintenant? Je sais pas! Quelqu'un a soif? J'ai de bonnes boissons pour vous, savourez-les! À bientôt! Merci! Ce thé a l'air bon! Je l'aurais préféré avec un peu de miel ou du sucre! J'ai besoin de beaucoup de ces choses! Mais attendez une seconde! Hé, mercredi! Par ici! Hein? T'aurais une cuillère pour remuer? Oh! Hé! Hey. Oh! Tiens! Il le fera pour toi! Attends, ce sont des cheveux! Est-ce que c'est hygiénique? Merci, je m'en occupe maintenant. Oups, c'est un peu trop poilu à mon goût. Burk, c'est tellement dégoûtant. Mais... Burk, à mon tour. Cette chose est énorme. Heureusement que j'ai un sachet de thé géant. Pouah, parfait. Maintenant, j'ajoute l'eau chaude. Oh oui, regardez cette vapeur. Plus, encore. D'accord, café numéro 3. Super, ça ne suffit toujours pas. Il me faut de gros calibres. Quoi? Je pense que ça suffit. D'accord. Ouf, tellement lourd. Attendez, je vais le faire comme ça. Maintenant, j'ai plein de tasses de thé. J'en ai une pour chacune. Santé, les amis. C'est quoi la prochaine étape? Attendez, je commence. Ça a l'air délicieux. Mais il nous faut de la sauce, les amis. Je prends la croquette. Oh ouais, je la trempe. Santé. Ah, elle ne mâche même pas. J'en veux, moi aussi. Tadam! Tout le seau est à moi, ma chère. Cette pièce semble bonne. Ça te dérange si j'emprunte un peu ta sauce? Emprunter? Oui, pourquoi pas. Tu vois, juste un peu. Viens voir maman. Tellement croustillant et juteux. Plus de sauce? Ah oui? La voilà, ta sauce. Vas-y et plonge dedans. Waouh, je vise bien. Eh bien, une sauce, c'est une sauce, non? À ma santé. Délicieux. Ça m'a éclaboussé. C'est à mon tour. Ou pas. Regardez. Tu n'as rien reçu? Qu'est-ce que c'est? Hein? Pas possible. Ça, c'est une cuisse de poulet. C'est comme 10 en une. C'est l'heure du ketchup. Heureusement que j'ai une bouteille entière. Beaucoup d'espace à couvrir sur le poulet. Je peux commencer. Tellement bon! Oh oui! Waouh! Waouh, waouh! Une bouchée avalée! Peut-être que tu pourras en garder un peu pour nous? Ouais, juste une bouchée! Vous savez quelle heure il est? C'est exact! Il est temps de se régaler! Hurrah! De grandes frites salées! Ah! Ça sent bon ici! Où est-ce que tu les as obtenus? Attaquons-nous à la nourriture! Hé! Va chercher tes propres frites! Ah! Partager, c'est aimer! Je ne suis pas d'accord! C'est à moi! Donne-les! Lâche-les! Qu'est-ce qui se passe ici? Ça suffit! Waouh! Où est-ce qu'on est? Sérieusement?
si petits. Attendez, une dégustation sans pause. Voilà. J'approuve. Cette coquille est plus dure que je ne le pensais. J'ai plus aucune dent. Oh non! Comment je suis censée manger dorénavant? Oh là là! Et regardez ça! Vous entendez ça? Ça sonne si bon! Et ça a l'air délicieux! Mais attendez, j'ai de plus grands projets pour cet œuf! Allons-y! Attendez juste de voir ça! J'ajoute maintenant la farine. Je fais de grandes choses ici. Ça a l'air bien. Voici maintenant mon ingrédient préféré. Ça a l'air bien. Et maintenant, place à la partie amusante. Prêt, partez, fouettez. Regardez comment ça marche. C'est extra crémeux maintenant, vous voyez? Waouh, c'est incroyable. Hein? Qu'est-ce que tu prépares? Ça semble suspect. Attends juste un peu. J'ai même pas encore ajouté de la chaleur. Maintenant, les choses vont devenir intéressantes. Parfait. À tout de suite. Ça va être un spectacle. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon. Admirez ce chef-d'œuvre. Ah! C'est un biscuit œuf en chocolat, bébé. Jalouse? Je le serai. C'est le moment de vérité. Et c'est vraiment fantastique. Je suis un génie culinaire. Ah oui, nous verrons bien ça. Regardez juste cette chose. Et pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur, je fais tout éclater. C'est plutôt désordonné, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. La glace va tout maintenir en place. Parfait. Il est temps de changer les choses, chérie. Ce mixeur est super puissant. Regardez donc comment ça mélange. Très bien. Mais comment savoir si c'est bon? Oh là là! Je pense que c'est plutôt bien. Mais le meilleur reste à venir. Tellement onctueux, n'est-ce pas? Comme une fête dans un verre. Attends! Et elle alors? Elle ne peut rien mâcher. Ah, d'accord. Tu veux ça? C'est tout à toi. Heureuse de pouvoir aider. Je peux me couper les cheveux toute seule. Mince, cette chose est épaisse. C'est courageux. Waouh! Je n'ai plus besoin de ça. C'est le tour de qui? Non, j'ai du chewing-gum à mâcher, d'accord? Oh, ça sent bon! Voyons voir ici. C'est l'heure des bulles. Hein? Waouh, une bulle! Ce serait dommage que ça éclate. Hey! Oh, t'es pas drôle! On passe à autre chose. Vous pensez que ce truc est bon? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est beaucoup! Tu n'as pas besoin de tout ça. C'est mauvais pour tes dents. Tu verras ce que je veux dire. Que la mastication commence. Je commence par la pièce numéro 1. Quoi? Oh, quelque chose me fait mal. Oh! Ma dent! Ça suffit, c'est mon tour. Plus c'est grand, mieux c'est, chérie. Tu vois ce truc? Regarde la taille d'un seul morceau. Tellement délicieux. J'en veux plus. Autant que je peux en mettre dans ma bouche. Continue comme ça. Regardez ça, les filles. C'est ce qu'on appelle une bulle. Waouh, regardez. Cette chose est faite pour être éclatée. Hé, ma bulle! C'était plus désordonné que ce que je pensais. Tellement amusant! Qu'est-ce qui prend autant de temps? Je veux qu'on me donne à manger. J'adore le gâteau. Il a l'air bon. J'ai l'eau à la bouche. Je l'ai vu en premier.
Donne-moi ça. Je n'avais pas terminé. C'est mon gâteau et je ne le partage pas. C'est vrai? Qu'est-ce que tu fais? Je vais manger le gâteau. J'ai hâte de le faire. J'espère que tu me regardes. Délicieux. Qu'est-ce que tu en penses? Je le veux. Attends, c'est quoi ça? C'est un morceau de papier. D'accord, c'est bizarre. Attends, moi aussi j'ai du papier. Il y a un message. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mystère. Je suis tellement confuse. Mettons-les ensemble. C'est un défi. Waouh, ça a l'air amusant. J'ai hâte. C'est tellement excitant. Mais on fait quoi maintenant? Où est-ce qu'on est? Je n'en ai aucune idée. On commence. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu n'as qu'à l'ouvrir. Waouh, regarde ça. Ce sont de petits canards. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis censée faire avec? C'est tellement spongieux. J'ai une idée. Il me faut juste encore certaines choses. À commencer par cette cruche. J'ai besoin de beaucoup d'eau. Voilà. Ensuite, j'ajoute de la gélatine. Et un peu de colorant alimentaire. Ça va suffire. Je remue pour mélanger tout ça. Ça a l'air bien. Maintenant, c'est au tour de mon canard. Je le place dans la carafe. Et j'attends. Ça ne prendra pas longtemps. Ça va suffire. Waouh, c'était rapide. Exactement ce que je voulais. Je sors mon canard. Allez! J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Jetons un coup d'œil. Oh, incroyable, ça a fonctionné. Un petit canard en gelée. C'est adorable. Regardez le trembloter. Je vais le manger. Non, je ne peux pas. J'ai une meilleure idée. J'ai besoin d'un bol. Je ne peux pas oublier l'eau. Prêt, petit bonhomme, et une bonne baignade. Oh là là! C'était incroyable. Quel casse-cou! Il est tellement joyeux. Coin, coin! Waouh, je veux un canard! Je sais quoi faire. Je vais utiliser cette eau. Mais je dois être précise. Je vais utiliser une seringue. Je vais aspirer l'eau. Je vais la verser dans le moule. Comme ça. Je remplis tous les trous. Mais je n'ai pas terminé. J'ajoute des cure-dents. C'est parfait. Maintenant, je dois les congeler. Je pense qu'ils sont prêts. Waouh, regardez. Ils ont l'air assez bons pour être mangés. Mais où est la saveur délicieuse? Je sais comment régler ça. J'ai besoin de chocolat. Ça améliore tout. Je plonge le canard dedans. Ensuite, je le laisse prendre. Je peux le mettre dans une assiette. C'est comme une petite tasse en forme de canard en chocolat. Le goût sera fantastique. Je le remplirai de crème. C'est bien mieux comme ça. Ça semble délicieux. Et c'est tout à moi. Je devrais être chef. J'ai presque terminé. C'est tout. Maintenant, c'est l'heure de la meilleure partie. Je peux le manger. Et voilà. Tellement bon. J'en veux plus. Je ne peux pas m'arrêter. Hein? C'est quoi ça? Calme-toi. Impossible, je les veux tous. C'est la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Je suis sérieuse. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Tu adorerais. Il en reste un seul. Le crime parfait. Je fais des dégâts en mangeant. J'ai remarqué, j'ai changé d'avis. Je vais me contenter de mon canard. Tu passes à côté de quelque chose. Prête à le faire? Finissons-en. Un œuf? Regarde ça. C'est une blague? Où est le reste? C'est décevant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais en faire? J'ai besoin de regarder de plus près. Attends un instant. C'est du chocolat. Vraiment? Je parlais de mon œuf. Je peux améliorer ça. Donne-moi une seconde. J'ai besoin d'un peu d'aide. Voici mon ami chef. Fais ton truc, petit. J'espère que tu sais ce que tu fais. Hé, ne me tire pas les cheveux. Je fais aussi vite que je peux. Je remplis l'œuf avec la pâte à tartiner au chocolat. Ne t'arrête pas maintenant. Je dois la lisser.
Et après? Crème, bon choix. J'aime ton style. Continuons. Ça a besoin de bonbons. D'accord? C'est toi le chef. Quelle couleur on choisit? Et si on prenait le jaune? Non, d'accord. Il est si exigeant. Ah, je comprends. Je sais ce que tu fais. Je vais en ajouter quelques-uns de plus. Est-ce qu'on a fini? Merci pour ça. Ça a l'air délicieux. Droit dans ma bouche. C'est mieux que ce que j'imaginais. Je fais quoi avec ça? Je vais simplement le casser. Ça fait du bien. C'est exactement ce que je voulais. Je vais enlever la coquille. Waouh, regardez ça. Je ne m'y attendais pas. C'est tellement doux. J'espère que c'est bon. Waouh, c'est génial. C'est caoutchouteux et collant. Ça a été amusant. Oh, j'ai mangé le mien. J'ai encore faim. Peut-être que le rat peut concocter quelque chose. Quel défi délicieux! Quel est votre plat préféré? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de superbes vidéos comme celle-ci. Mamie? Sœurette? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu as faim! Ne mange pas ça! Mange ces bonbons! Je ne sais pas quoi faire! Les ingrédients volent partout! Aidez-moi! Ah! Quoi? Où est-ce que je suis? Oh! Salut les amis! Et voilà! C'est l'heure de manger des friandises! Et vous pouvez utiliser ça! Je l'ai! Et regarde! Attends, est-ce que c'est une araignée? Oh! Je déteste les araignées! N'aie pas peur! Ouf! Mon Dieu! D'accord! Regarde ça! Très bien, ma chérie! Et pour moi, n'est-ce pas qu'ils sont les plus adorables? Oh! Bref, mes ours seront encore plus mignons et plus savoureux! Le chocolat est mon ingrédient secret! Voilà! Adorable! Mais je ne peux pas oublier cette chose! Qui n'aime pas le beurre d'arachide? Voyons voir! Ça ira! Une bien belle pâte à tartiner, rien que de bonnes douceurs succulentes! Quelqu'un voudrait des bananes? Et une touche de cannelle? Il est temps de couvrir nos petits oursons! Tellement cosy! Ça a l'air délicieux, non? Maintenant, ajoutons quelques petits détails! Il s'agit de travailler la présentation! Vous voyez ce que je fais? Puis, on termine en recouvrant le tout avec un peu de beurre. Mettons ça dans le grille-pain maintenant. Amusez-vous, les gars! Les choses vont devenir agréables et chaleureuses. Pendant au moins 20 minutes. D'accord, c'est mon tour alors. Délicieux! J'en veux beaucoup, s'il vous plaît! N'est-ce pas la meilleure manière de le manger? Et en plus, recouvert de mon cookie préféré. Pourquoi ne pas ajouter plus de glaçage? C'est une araignée beaucoup moins effrayante. Et bien plus savoureuse aussi. Et que diriez-vous de lui mettre des yeux? Tu me regardes? Et voilà! Comme c'est ingénieux, le mien est presque fini aussi. Parfait! Lequel tu choisis, sœurette? C'est difficile! Voyons voir! Ces ours sont au lit? Assez savoureux! D'accord, pas mal du tout! Mais celui-là a aussi l'air délicieux, tellement chocolaté! C'est super sucré! Mais si je devais choisir, c'est juste acceptable! Les ours au lit sont les gagnants! Félicitations, grand-mère! Quelle est la prochaine étape? Eh bien, donnez-moi une seconde ici. Oh, mais c'est quoi au nom du ciel? Comme c'est dégoûtant! Laisse faire, mamie. Ah, tu peux simplement utiliser ça. Oh, d'accord. J'ai la recette parfaite.
Non, regarde. Attention. Oh, c'est Hello Kitty. C'est bon. Allons-y. Déjà? D'accord alors. Oh, la pression monte. Délicieux. Si petit et pourtant si savoureux. Super. Allez, entre. Waouh, ça a l'air bon. Vite, avant que ça sèche. Attends juste de les voir. Ils vont être tellement beaux. Maintenant, voyons si ça a fonctionné. Il faut les retirer délicatement et... Vous voyez ça? C'est la rose parfaite. Et je peux faire tout un bouquet. Tout simplement spectaculaire. Tellement magnifique. Ah, délicieux. Eh bien, dis bonjour à ce monstre de guimauve. J'ai besoin de la moitié. C'est tellement grand. Une brochette de guimauve sera bientôt prête. Mais ce n'est que le début. J'ai aussi besoin de quelques petites pièces. Tu le reconnais déjà? C'est un petit chaton en guimauve. Mais ce ne serait pas un chaton sans ses petites oreilles de chaton. Et tout ce qu'il faut pour ça, c'est un mini marshmallow. Voici pour toi, Kitty. Ah, profite de ta trompette. Je veux toutes ces bonnes choses. Oh, bonjour, chocolat blanc. Maintenant, c'est là que le vrai plaisir commence. Miaou! Allons-y, que la création mignonne commence. Oh, elle devient de plus en plus adorable à chaque seconde. Là, très bien. Et tu as besoin de ton nœud rouge. Bonjour, Kitty. Perfection. Très bien. Eh bien, c'est l'heure. Celui-ci d'abord. J'adore Hello Kitty. Tellement moelleux. Génial, Sœurette. Waouh, c'est incroyable. Mais est-ce que ça pourrait être mieux? Du chocolat. Je pourrais en manger des millions. Tellement délicieux. Et avec ce centre en guimauve. Waouh. Ce choix est difficile, alors j'ai choisi les deux. Waouh! Fantastique! On a réussi. Mon ventre est triste. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon à manger par ici? Je parie qu'il y a quelque chose par là. Eh bien? Non! Quel dommage. Tant pis pour ça. Il devrait y avoir quelque chose de bon. Hein? Je n'en crois pas mes yeux. Oh, salut. Incroyable. Mettons-nous au travail. Oh, quelle sorcellerie est-ce que c'était? Sœurette? Oh, salut chérie. Oh, vide. Qu'est-ce qu'une fille affamée devrait faire? Inacceptable. J'ai besoin de votre aide. Oh, qu'est-ce que c'est? Tarte, ça marche. Et moi alors? Un canard? Je fais quoi avec ça? Intéressant. Ralentis, tu veux bien? Aïe, mon dos! Oh non, certainement pas. Je sais exactement quoi faire et j'utilise des sandwichs glacés. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus délicieux? Bien sûr, le glaçage, n'est-ce pas? Et plus de sandwich de crème glacée, évidemment. Qui voudrait de la crème fouettée? C'est vraiment la garniture parfaite. Et vous pouvez en manger autant que vous voulez. Regardez toute cette douceur moelleuse. C'est tout simplement magnifique. Tout est prêt. Impressionnant, n'est-ce pas? Hein? Oh, tu as déjà fini? J'ai du travail à faire. Tellement frais! Il me faut juste la cuillère parfaite.
Oui, maintenant presse. Je l'ai. La cuillère à canard parfaite. Facile. Voilà, c'est parfait. Oh, coin coin, petit bonhomme. Trop mignon. Ils forment une petite famille. Et voilà. Eh bien, c'est intéressant. Des canards en glace? Celui-ci est délicieux. J'adore ça. Bravo. Merci, ma chérie. Je n'ai pas besoin de ça. Oh, quel manque de politesse. Plus pour nous alors. À ma santé. C'est bon. Ah bon? Oh, un peu froid sur les vieux dentiers, mais bon. Une autre portion, s'il vous plaît. Bon, les gars, j'ai toujours faim. Oh, qu'est-ce que c'est? Un crâne? Je peux m'en occuper. J'ai même un moule en forme de crâne. Commençons cette fête. Tout d'abord, le caramel. Tellement fondant. Ensuite, le chocolat avec du colorant alimentaire noir, évidemment. Oh ouais, c'est bien. Tellement décadent. Waouh! Je les mets maintenant dans le moule. Ce sera tellement cool. Et maintenant, le moment de vérité. Regardez, un petit crâne. Waouh! Effrayant. Génial, je suppose. Et pour moi, un petit homme? Je l'ai dans la poche. Prêt pour un peu de magie culinaire? Et un de plus. C'est au tour des baies. Et de l'autre côté. C'est parti. L'homme parfait. Eh bien, presque. Apportez le sucre, mes chéris. Je veux que ce soit extra sucré. Ça chauffe ici. En ébullition, en fait. Oh, c'est prêt à partir. Détends-toi et relaxe, petit bonhomme. Retourne-toi. Magnifique. Bonjour, petit homme en bonbon. Tu es prête? Ça a l'air bon, mamie. Regardez ça, c'est un petit bonhomme en fruits. Super. J'adore ce craquement. C'est tout juteux à l'intérieur. Il est doux comme tout. Mais qu'est-ce que tu dirais de l'autre plat? Celui-ci. Oh, effrayant. Oh, croustillant. C'est fantastique. J'approuve. Excellent. Tellement bon. Alors, des crânes pour la victoire. Wouhou, ouais. Bravo, ma chérie. Oh, il nous faut une bougie. Ça a l'air bien. Il est temps de faire mon trick. Et voilà. Hé, fais attention, je m'en charge. C'est mieux. Ne fais pas ça. Tu te moques de moi? Arrête ça. Ne me cherche pas. C'est tout ce que tu as. Ça ne fait que commencer. Oh, c'est pas bon. On doit échanger. Bouge. Oh, salut. C'est un défi de cuisine. C'est une blague? C'est une assiette rouge. Oups, désolée. C'est mon assiette, c'est moi la bleue. Arrangeons ça. On va échanger. Ah, tu t'y attendais pas, hein? Commencez. Je sais quoi faire. On dirait que ces nouilles sont trop sèches. Elles ont besoin d'eau. Waouh, t'as vu ça? Des nouilles bleues. Fais mes nouilles ensuite. Et voilà. Patiente un peu. Ah, j'ai pas le temps pour ça. Ça prend trop de temps. Bon, je le ferai moi-même. Je suis venue préparer. Je vais ajouter de la sauce piquante.
Il faut plus de chaleur. Je les aime épicés. C'est plutôt ça. Parfait. C'est cramé. C'est quoi? Oh, trop de piment. C'était intentionnel. Ok, j'ai fini. Sérieusement, regarde-les. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est l'heure du jugement. J'espère que tu aimeras. Wow, qu'avons-nous ici? Je vais commencer par ces nouilles. Elles ont l'air comestibles. Miam! Je suis un génie culinaire. Est-ce que c'est du charbon de bois? Tu t'attends à ce que je mange ça? Je vais passer. Quoi? Pourquoi? J'y ai mis tout mon cœur. Eh bien, désolée, mais le feu gagne cette fois. Non, mais comment? Elle me fait peur. Je suis la meilleure. Ce sera quoi cette fois? J'espère que c'est une pizza. Ah, voilà ma plante. Attendez une seconde. Elle fait peine à voir. Attendez un peu, je dois l'arroser. Juste une goutte de pluie? Vraiment? Je vais juste utiliser un verre d'eau. Eh bien, c'est décevant. Oh, ça me donne une idée. Voici le prochain défi. Oh, regarde, on a du thé. C'est génial. J'ai tellement soif. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Je vais ajouter ceci à la théière. Ça sent bon. Ajoutons de l'eau. Je suis comme un robinet. Je vais le remplir. C'est froid. Je dois le réchauffer. D'accord, fais de la place. Ce ne sera pas long. Alors, c'est bien chaud. Maintenant, je peux prendre un verre. Il faut des glaçons. Et un morceau de citron. Ça lui donnera un petit piquant. Juste comme je l'aime. Ça a l'air bon. Bah ça, je ne pense pas que tu puisses. Ah oui? J'ai besoin d'eau. Vraiment? D'accord, je vais t'aider. Que ferais-tu sans moi? Un verre d'eau fraîche. Maintenant, je peux faire mon thé. Il m'en faut juste un peu. Je vais le plonger dans l'eau. Je secoue un peu. J'ai un bol de framboises. Je vais les mettre dans un verre. Ajoutons du sucre. Je vais ajouter du lait. Ensuite, je vais le mixer. C'est amusant. Ça a l'air bon. Je vais l'ajouter à mon thé. Ça va être riche en saveurs. Ce sera délicieux. Fais-moi confiance. J'aurai besoin d'une paille. Ça a l'air bien, non? Il y a encore une chose. Je vais le réchauffer. C'est plutôt ça. J'ai fini. Voyons voir qui va gagner. Ce sera moi. Waouh! Deux boissons délicieuses. Je vais essayer celle-ci en premier. Rafraîchissant. Passons à la suite. Waouh! C'est chaud. Je me suis brûlé la langue. Il faut que je me rafraîchisse. Elle aime monter. Ah, ça fait du bien. Je peux faire tomber la pluie. Regardez ça. Youpi! J'ai sauvé ma plante. Qu'est-ce que... Je suis confuse. Je suis tellement heureuse. Alors, qui a gagné? N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour plus de super vidéos comme celle-ci. Waouh! Tout est si grand! C'est l'heure des bonbons. Mets-toi à l'abri! Je me tire d'ici. Ouf! J'ai réussi. Oups! J'ai renversé un peu de farine. Faire de la pâtisserie est tellement amusant. Arrête ça! Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est rafraîchissant. Non! Arrête ça! Hein? C'était un rêve? Oh, salut! C'est l'heure d'un défi culinaire. Ouh, ça a l'air bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Voici la première nourriture. Je veux une guimauve. Vraiment? Comment? J'ai une idée. Je dois passer un appel. Comment on utilise cette chose? Ah, j'ai compris. J'ai besoin de ton aide. Ouais, tout de suite. Je dois attendre. Est-ce qu'on pourrait accélérer? D'où est-ce que ça vient? Waouh, c'est arrivé. C'est censé m'impressionner. Jetons un coup d'œil. C'est tellement excitant. Je n'ai pas besoin de ça. Oh,
C'est hors de contrôle. Ça devient gênant. Ah, je suis une momie. Attends une seconde. J'ai ma guimauve. Ça me donne une idée. Mettons-nous au travail. Je vais coller ces guimauves ensemble. Ça se présente bien. Maintenant, j'ai besoin d'un bâton de sucette. Je vais le pousser à travers les guimauves. Rendons tout ça encore plus sucré. Je vais tremper ma sucette dans du chocolat blanc. Une fois qu'elle est prête, je peux la décorer. Je vais utiliser du glaçage noir. Je commencerai par les yeux. Ensuite, je vais dessiner des moustaches. Maintenant, je vais la momifier. Waouh, elle a l'air géniale. Je vais ajouter un bonbon. C'est magnifique. C'est mon genre de sucette. Hé, j'ai fini. Jette un coup d'œil. À toi, le vieux. Oh, j'ai mâché mon billet de sortie. Oh, c'est tellement embarrassant. C'était peut-être une erreur. Ouais, c'était clairement une erreur. J'espère que personne n'a vu ça. Ça peut aller à la poubelle. Ah, c'est ce que je cherche. Mon moule super chic. Maintenant, où est ma guimauve? Ce sera amusant. J'ai un bol de chocolat fondu. Je vais planter une brochette dans la guimauve. Ensuite, je la tremperai dans le bol. Puis, je vais la pousser dans le moule. Je vais attendre que le chocolat durcisse. Ça devrait le faire. Ce rose est magnifique. Oh, c'est merveilleux. C'est trop bon pour être mangé. J'ai toujours eu une passion pour le jardinage. Je suis tellement content du résultat. Donnez-moi les friandises. Tiens. Mais mes fleurs. Waouh, elles ont l'air délicieuses. J'espère que ça te plaît. Je commencerai par les fleurs. C'est plutôt bon. J'espérais une réaction plus intense. Maintenant pour le chat momie. Waouh, c'est délicieux. S'il te plaît, laisse-moi gagner. Il n'y a qu'un seul choix. Mercredi gagne. Bien sûr. Hein? Où est-ce que je suis? Je dois m'être assoupie. Et maintenant, un délicieux dessert. Je dois y réfléchir. Je peux le faire. Attends, j'ai trouvé. Je sais quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde ces oursons tout mignons. Guili guili. Bon, je ferai mieux de commencer. Je placerai du chocolat sur une feuille de pâte. Ensuite, je vais y poser les oursons, puis une cuillère de pâte à tartiner au chocolat. Je vais l'étaler sur la pâte. Ça a déjà l'air bon. Je vais ajouter des tranches de banane. Ensuite, je peux rouler la pâte. Les oursons dorment. Ils ont besoin d'une sieste. Je vais fermer la pâte et appliquer une dorure à l'œuf. C'est prêt pour le four. Tout doit être bien doré. Je suis naturellement douée pour ça. Les oursons sont prêts à se coucher. Ils sont bien au chaud. Je suis jaloux. Au moins, j'ai fini. Regarde ça. Oh, je déteste ça. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est l'heure de dormir. Qu'est-ce que c'est? Oh, une toile d'araignée. Hein? Je suis réveillée. Ah! Garde ça loin de mes oursons. Ça leur donnera des cauchemars. Je suis sérieux. Peu importe. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai un dessert à préparer. Je vais déposer du glaçage sur un cupcake. Je m'assurerai de bien le couvrir. C'est parfait. Je vais le garnir avec un biscuit. Maintenant, je vais changer de glaçage. J'ai besoin de noir pour ça. Je vais ajouter des lignes sur le côté du biscuit. Je vais faire une araignée. Je vais faire deux boules de glaçage. Ensuite, je vais lui coller des yeux. C'est parfait. Je vais la mettre avec son ami. C'est les meilleurs cupcakes de tous les temps. J'en suis fière. C'était facile. Et tout ça grâce à mes amis les araignées. Voyons voir qui va gagner. J'ai hâte. Bon appétit. Ça sent bon. Je deviens nerveux. Je vais commencer par celui-ci. Ça a l'air bien. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est un délice. Place au cupcake. Je n'ai jamais pensé que je mangerais une araignée. Mais je suis ravie de le faire. Tu devrais essayer la vraie. C'est difficile. Les araignées l'emportent. Félicitations. Je le savais. La voie est libre. C'est l'heure de prendre une collation. J'attendais cela avec impatience. Je ne peux pas... Oh oh oh. Hein? Garde ton calme. Vous mangez tous les snacks. Comment avez-vous pu? Oh oh.
Oh non! Je me régalais! Coucou! Regarde là-bas. On a un défi culinaire. Sérieusement? Oh! Je m'ennuie tellement. Ahem! Votre attention, s'il vous plaît, c'est le premier défi. Je veux quelque chose de fruité. Je peux le faire. Qu'est-ce que je devrais faire? J'aurai besoin de mon fidèle panier. À toutes vous deux! Je ne serai pas long. Où est-ce qu'il va? J'aurai besoin d'un coup de main. Oh, une ambiance tamisée. Tu as braillé? J'ai quelque chose pour toi. Une pomme empoisonnée. Attends, c'est la pomme habituelle. Merci, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je retourne dans les bois hantés. Mettons-nous au travail. Je vais couper la pomme en morceaux. Ensuite, je vais en brocher un morceau. Je vais le tremper dans du chocolat. Ça a l'air délicieux. Mais je n'ai pas encore fini. J'ai quelques moules de crâne spéciaux. Je pense que le chocolat a durci. Waouh, du chocolat effrayant. J'adore, mais ça pourrait être mieux. Il lui faut un peu de brillant. Ça devrait faire l'affaire. Je vais en saupoudrer sur le crâne. C'est mieux comme ça. Mon travail ici est terminé. Ce n'est pas un fruit ordinaire. Je suis de retour. Regarde ce que j'ai. Eh bien, c'est terrifiant. Ouh, une orange juteuse. Je peux l'utiliser. Je vais l'ajouter à une brochette. Ensuite, je ferai la même chose avec d'autres fruits. Je veux faire un bonhomme de fruits. Il commence à prendre forme. Je vais le poser sur ce bol. Je verserai du sirop par-dessus. Ça le rendra extra croustillant. Ensuite, je vais le décorer. Waouh, c'est tellement amusant. Dis bonjour à mon petit compagnon. Ah, il est tellement effrayant. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Nourrissez-moi! Ah ouais? Tu vas aimer ça. Enfin, j'ai faim. C'est intéressant. Rassure-moi, c'est positif. Je suppose que je vais l'essayer. Je ne m'attendais pas à du croustillant. Quoi qu'il en soit, passons à autre chose. Ça, c'est mieux. Du chocolat. Qu'est-ce que t'en dis? C'est le gagnant? Quoi? Comment? Je ferais mieux de me préparer. Allons-y. Reste là. À bientôt. Attends une seconde. D'où est-ce que ça vient? Je ne suis plus très loin, je le sens. Ah, là-bas! C'est juste ce que je veux. Oh, j'ai besoin de munitions. Mes dents feront le travail. Je n'en ai pas besoin de toute façon. Prêt? Vise! Allez, allez, allez! Attends, ce n'est pas censé arriver. Oh, manœuvre évasive! C'est quoi tout ce bruit? Eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu. Aïe! Mes fesses! Trahies par mes propres dents! Ça devient étrange. Donne-moi un instant! Qu'est-ce qui se passe? Ok, tout va bien! Ne va nulle part. Oh, qu'est-ce que c'est? Très intrigant. Fouah! Est-ce que je dois tout faire moi-même? Tu en auras besoin. Vas-y, prends-la. Ouah! C'est mon jour de chance! Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Mettons-nous au travail. Je vais tremper le cornet de gaufre dans le chocolat. Je veux enduire la partie supérieure, comme ceci. Maintenant, j'ai besoin d'une boule de glace. Ça a l'air délicieux. Je vais la poser sur le cône. Oh, c'est fantastique! Si tu aimes la glace, tu vas adorer ça. Je veux l'essayer. Peut-être plus tard. C'est pour Meg. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le découvrir. Je vais garnir un plat avec des sandwichs à la glace. Ça fera l'affaire. Ensuite, j'ajouterai plus de glace. Je veux les couvrir. Maintenant, une autre couche de sandwich à la glace. Et encore plus de glace. Mais il lui faut une garniture. Je vais écraser ces biscuits. Tu me fais peur! C'est ce dont j'ai besoin. Je vais en saupoudrer sur la glace. Ça ajoutera du croquant. Ensuite, j'aurai besoin de verre en gomme. Ça ressemble à de la terre. Il faut avoir des pierres tombales. Waouh, c'est incroyable. Ça me rappelle la maison. Tu dois voir ça. Je pense que je vais passer mon tour. Oh, vous avez fini? Éloigne ça de moi. Donnez-les-moi. Pas de problème. Hein? C'est un cimetière? Exactement. D'accord. Je suppose que je vais essayer. Je ne pouvais pas avoir de vrai verre. Ravie de l'apprendre. Je vais me contenter de la glace. C'est comestible. Maintenant, pour celui de papy.
Sympa. Alors tu aimes? J'adore. Papy gagne. Aïe, mon dos! Au moins j'ai mes verres. C'était un défi délicieux. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et surtout n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus de vidéos amusantes comme celle-ci. Je sens du gâteau. Il a l'air tellement bon. Et il est à moi, entièrement à moi. Non! Je tombe! Mayday, Mayday! Burk, en plein visage! C'est quoi tout ce bruit? C'est tellement embarrassant! Tu sais que t'es censé le manger, n'est-ce pas? C'est ce que j'essayais de faire! T'essayais un nouveau look? Ça suffit! Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. On va s'amuser! Salut les amis! C'est entièrement de ta faute! Prends ça! Ça suffit! Arrêtez! C'est tout ce que tu sais faire? Arrêtez! Arrêtez! Vous êtes tellement agaçant! Désolée. C'est lui qui a commencé. Ah, c'est ce qu'il me faut! Qu'est-ce que c'est? Sans main! Tu te moques de moi? C'est pas juste! Et toi? Allez! Alors maintenant, on fait quoi? C'est votre premier défi! Ça va être difficile! Finissons-en! Je vais utiliser ma bouche! T'es prêt? Commençons! Je vais prendre mon temps. Je veux que ce soit parfait. Ce seront les moustaches. Ça se passe bien! J'aurais jamais cru que j'étais si talentueux. Maintenant, j'ajoute un nœud. Oh, c'est tellement joli! Je suis assez satisfaite de ça. D'accord, c'est à mon tour. Si lui peut le faire, moi aussi je peux. Je commence par les lignes externes. Ensuite, j'ajoute les détails. Doucement mais sûrement. Un mauvais geste et tout est gâché. Je dois gagner ça. Je peux pas laisser le lapin me battre. Vous pouvez imaginer? Ce serait humiliant! Comment elle s'en sort? Wow, il est temps de changer de couleur. Je vais utiliser du rouge pour le nœud. Ce sera si coloré. Je vais juste rester dans les lignes. Ce sera une œuvre d'art. Un chef-d'œuvre. Je le sais. C'est une partie difficile. Ouf, j'ai presque fini. J'ai hâte de montrer ça. Waouh, il est confiant. Il est temps de lui donner une leçon. Ce sera la meilleure crêpe jamais réalisée. Elle aura l'air incroyable. Et aura un goût encore meilleur. Un peu plus et j'aurai fini. Voilà, tout est fait. C'était facile. Ha! Regarde ça! C'est le moment de juger! Regarde ça! Ah, t'as vu ça? Elle est merveilleuse! Bien joué! Alors, qui a gagné? Évidemment, c'est moi! Oh, trop mignon! T'as entendu ça? Peu importe, la mienne est bien plus belle! Waouh, je suis impressionnée! Ne nous laisse pas dans le suspense! Vous avez gagné tous les deux! Waouh, pas possible! Voyons voir. Vous savez quoi faire? Quoi? Sérieusement? Je ne pense pas. Au secours, je suis piégée! Bon, alors là, c'est drôle. Faites-moi un dragon. Bon, comment finir? Je l'ai. Ça pourrait être un problème. C'est difficile de travailler comme ça. Mais j'abandonnerai pas. S'il peut le faire, moi aussi je peux. Souhaitez-moi bonne chance. Wow, c'est super! Oh, c'est agaçant! Je dois rester concentrée. C'est trop difficile! Ça se passe pas comme prévu! Je fais des dégâts! Mon magnifique dragon! Waouh, c'est génial! Tu sens quelque chose brûler? De quoi tu parles? Non, ma crêpe! C'est une catastrophe! Je suppose que je vais gagner ce coup-là. Je vais vous libérer! Ouf, quel soulagement! C'est le moment de vérité. Je vais retourner ma crêpe. Elle est meilleure que ce que j'imaginais. D'accord, c'est tragique. Je veux les voir. Voilà. Elle est vraiment spéciale. Fantastique. Et toi, Pomni? Je veux pas en parler. Au moins, t'as essayé. Jax remporte cette partie. Wouhou, je suis le meilleur. Oh. C'est l'heure du prochain défi. Jetez un œil à ça. Oh, un cochon.
Mais pas si vite. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un détail. Vous devez utiliser ça. Pourquoi je suis pas surprise? Ça pourrait être amusant. J'ai une idée. Allons-y. Juste un peu plus loin. Hé! Lâche-moi! Arrête ça! J'essaye de travailler ici. C'est un bon début. Je vais d'abord dessiner un cercle. Ensuite, je peux ajouter les yeux. Ce sera le museau. Waouh, ça se passe bien! Maintenant, je vais ajouter de la couleur. Je vais devoir utiliser le mélange rose, évidemment. C'est la couleur parfaite pour mon cochon. Je dois garder une certaine stabilité. Je veux pas que ça déborde. Je vais remplir le contour avec le mélange. Puis, j'attends que ça cuise. Ça devrait faire l'affaire. Jetons un coup d'œil. Quel joli cochon! Essaye de battre ça. Tu plaisantes? Regarde et apprends. T'as jamais vu rien de tel. Je vais utiliser un mélange pour crêpes rose foncé. Je veux que ce petit cochon se démarque. Je m'amuse bien. Je trouve ça relaxant. Maintenant, j'ajoute du rose vif. Ça fera un contraste parfait. Encore une section à remplir. Et voilà. Je veux pas que ça brûle. Alors je la retire du feu. Tada! Tu dois voir ça. Tu vas l'adorer. Wow, c'était rapide. Regarde. Je suis assez fière de ça. Qu'est-ce que t'en penses? Excellent travail. Oh, c'est trop mignon. C'est difficile. Alors vous gagnez tous les deux. Oh, mon cochon est meilleur. Délicieuse crêpe. C'est la dernière. On ne peut pas oublier les pépites de chocolat. Ou le glaçage. Oh ouais. C'est de ça que je parle. C'est le type de nourriture que j'aime. C'est bon. Oh, ça va s'effondrer. Oh non. Non, non. Elle tombe. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est entièrement de votre faute. Ah! Quoi? Où est-ce qu'on est? J'ai peur! Amusons-nous un peu! Qu'est-ce qui se passe? Où est Jax? C'est pas important. C'est ton premier défi. Oh, du pop-corn! Tu dois porter des gants de four. Ça complique les choses. Mais je vais essayer. Allons-y. Je me sens créative. Qu'est-ce qui se passe? C'est un bon début. C'est ce que tu penses. Hé! Pourquoi t'as fait ça? Arrête! Jamais! Je suis en train de faire des bêtises. Gilly Gilly! Atchoum! Il est maintenant l'heure de faire un échange. Elle ne le saura jamais. Attends une seconde. C'est pas très gentil. C'est ça qu'il me faut. Maintenant, je peux retourner ma crêpe. Voyons à quoi elle ressemble. Non, elle est terrible. C'est entièrement de ta faute. T'as gâché ma crêpe. Exactement ce que j'avais prévu. Je vais réessayer. Je commence par faire le carton. Je vais dessiner le contour. Ça commence bien. Je le divise en sections. Ensuite, je les remplis. Je commence avec de la préparation pour crêpe blanche. Ensuite, je passe au rouge. Ça sent bon. Une fois que c'est fait, je peux passer au pop-corn. Je vais faire un motif ondulé. Comme ça. Je dois me concentrer. Je peux pas me tromper une nouvelle fois. Je vais utiliser du jaune pour le pop-corn. Je vais l'asperger sur le motif ondulé. Mais je dois être rapide. Ça commence à cuire. Ça devrait suffire. Je vais vérifier. Waouh, regardez-moi ça. Elle est parfaite. Je veux voir. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Pas mal du tout. T'as fait un excellent travail. Tu gagnes. Youpi, je suis tellement heureuse. Salut. Vous êtes mes meilleures amies. Nous devrions avoir un goûter. Hé! Quoi? Le défi de la crêpe. Oh! Fais-moi une poupée. Tout de suite. Je vais devoir réfléchir à ça. Il faut que ça ait l'air fabuleux. Je commence avec un chapeau. C'est l'accessoire parfait. Ensuite, je vais dessiner les cheveux de la poupée. Cette poupée crêpe sera tellement à la mode. Elle aura sa place sur le podium.
Regarde ses boucles d'oreilles. Je commence à devenir jalouse. Elle aura la robe la plus jolie. Waouh, ça se passe bien. Je me sens comme une artiste. Non, je me sens comme une designer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, les cheveux. Je lui donne de longues mèches fluides. Maintenant, je peux ajouter de la couleur. Je vais d'abord utiliser un mélange à crêpe blanc. Je vais ajouter des points partout sur la robe. Elle aura l'air incroyable. Il est temps de changer de couleur. Je vais utiliser ça aussi pour le rouge à lèvres. Ensuite, je vais colorier le chapeau. J'aime ça. C'est la couleur parfaite pour les cheveux. On dirait qu'elle vient tout juste de sortir du salon de coiffure. Elle aura l'air fantastique. Les cheveux sont faits. Maintenant, je vais la laisser cuire. Je vais la retourner délicatement. Je ne veux pas la casser. Attention! Qu'est-ce que... Hé, fais attention! Désolée. Laisse-moi voir ta crêpe. Tada! Je ne l'aime pas. Je l'adore! T'as fait un travail merveilleux! Je suis tellement heureuse! C'est l'heure d'un tour de magie! Choisis une carte. Je sais pas. D'accord, je vais en choisir une. Celle-ci. Bah, j'aime pas ça! Attends, je pensais que j'allais en prison. Laisse-moi voir. Je dois les mettre? Oui, bien sûr! D'accord, je vais le faire. Et je fais quoi maintenant? Dessine un autoportrait. D'accord, je peux faire ça. Ce serait comme regarder dans un miroir. Je commence par mes yeux. C'est pas facile avec des menottes. Mais je vais faire de mon mieux. Ça se passe bien. Mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je dois continuer. Là, je fais mes cheveux. J'espère qu'ils seront beaux. Je vais me maquiller les yeux maintenant. J'ajoute un peu de bleu. Je remplis les autres triangles avec de la pâte à crêpes rouge. Ces menottes rendent la tâche difficile. Ça va aller. Waouh, on dirait mon jumeau. Où est la crêpe? Surprise, elle est juste là. Waouh, pas possible. Ce serait dommage de la manger. C'est une œuvre d'art. Je pense que je vais la garder. Elle est juste trop belle.